c'est clair qu'il y a un malaise, c'est clair qu'il y a un problème. Une analyse claire a été faite. Il faut savoir qu'il y a des problèmes d'accès au financement des PME, des problèmes d'accès au marché des PME. Il y a des problèmes liés au management même de ces entreprises, appelées les PME. Il y a des problèmes qui sont liés même à la formation, des problèmes qui sont liés à l'information. Vous savez, il y a parfois des outils qui existent. Ces outils existent, mais malheureusement, ils ne sont pas connus des chefs d'entreprise. Nous sommes là pour être intermédiaires entre l'État et nos PME membres. Et c'est pour ça que il faut que nous, chrétiens, nous arrivons à jouer pleinement notre rôle. Nous devons poser des problèmes. Les problèmes sont identifiés, aujourd'hui on les connaît. D'accord? Oui. Mais en face, nous disons quelles sont les solutions. Et c'est pour ça que notre thème de ces journées se rapporte à la problématique du développement et de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Pour relever les défis, la Fédération ivoirienne des PME-PMI tient à compter de ce jeudi 16 octobre les journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Les petites et moyennes entreprises, au nombre d'environ 4 800, représentent 80% de l'effectif des entreprises de Côte d'Ivoire. Mais leur contribution à la richesse nationale n'est que de 18%. Chiffre illustratif des difficultés que rencontrent ces structures. Au terme de 3 jours de réflexion, les participants proposeront des solutions opérationnelles pour une meilleure compétitivité des PME.